Bonjour à tous. Bon, ben aujourd'hui on va passer à quelque chose d'un peu spécial. J'ai un copain qui m'a dit qu'on pouvait faire des petites roues comme ceci. Bien sûr pas des roues de voiture, mais des roues comme ça, increvables, avec de la mousse de polyuréthane. Alors ben ça c'est les roues de mon diable que j'ai démontées. Vous pouvez faire les roues de brouette, les roues de tondeuse à gazon, tout ça, bon. J'ai jamais essayé encore. On va essayer. Et puis si ça rate, bien ma foi, si ça rate vraiment, si ça rate qu'un peu, vous verrez la vidéo. Si ça rate vraiment, vous ne la verrez pas du tout. Voilà. Alors, en avant. On ne va pas perdre de temps. Je ne veux pas faire de longue vidéo. Allez. La buse a un trou de 8. J'ai mis une mèche de 8. Allons-y gaiement. Alors, à l'opposé de la valve. Faites des trous de 8. Alors, normalement, on remplit d'un côté, et quand ça déborde de l'autre, ben c'est que c'est plein. Alors, on y va. Allons-y, voyons voir. Bon, déjà... Ça a du mal à rentrer. Déjà, il faut agrandir un peu le trou. Faites pas ça avec vos roues de voiture, hein. Je peux être tenu responsable des problèmes après. Ah, mais ça ne veut toujours pas rentrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je coupe la vidéo, je vais changer de mèche. Bon, voilà, je vous reprends. J'ai percé avec du 10. Et que d'un côté, juste pour rentrer ça. Quand ça va déborder de l'autre côté, normalement, c'est plein, c'est dur. Voilà. Il n'y aura plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà, bon, allez en avant. Ah, ça sort d'un peu partout là. Hein. Peut-être normal. C'est peut-être plein. Bon, on va attendre que ça durcisse un peu. Voilà, je vais faire pareil à l'autre. Je pense qu'une bombe fait à l'aise les deux pneus. Voilà. Vous voyez bien là. Ah mais faut y aller doucement. Voilà. La première, j'ai pas été assez doucement, je pense. Ben voilà. Ouh là, ça durcit dur, hein. Vraiment. Ah ben voilà. Vous voyez? Il faut y aller doucement. Et en y allant doucement, il y a beaucoup moins de débordement. Hein. C'est dur. C'est vraiment dur. Alors après, j'en avais marre de les gonfler, mais je m'en sers pas souvent. Alors ça se dégonfle.
voilà, et bien ça se dégonflera plus. Ah, c'est vraiment dur, hein. Ouais, mais la bonbonne est presque vide. Ah, d'accord. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Je crois que j'ai insisté un peu trop sur l'affaire. Bon. Il n'y a plus qu'à laisser durcir. Et on verra ce que ça donne. Et je vous fais une autre vidéo pour vous dire ce que ça donne. Allez, à plus tard.